Bonjour à tous, c'est Monsieur Fumicator et aujourd'hui on se retrouve sur The Stampin' Land avec TX Gamer. Yo les gens! J'ai du mal ce matin, ce soir. Non bah bravo, putain ça se voit que t'as du mal mec hein. Vraiment, je sais pas ce qui m'arrive. T'as trop bouffé sûrement. Ouais c'est ça. Oh putain, j'ai fait te donner un coup d'hache. Bon. Ah non, t'es vite. Alors, The Stampin' Land, c'est quoi? Bah c'est un jeu de survie en fait, vous êtes plongé dans... Enfin, vous êtes dans la peau d'un guerrier, donc c'est à l'époque préhistorique, hein. Vous êtes dans la peau d'un guerrier, et vous devez survivre avec des dinosaures, tout ça. Ouais, en fait, vous êtes un peu les cannibales et tout, les... Merde. Enfin, cannibales, enfin, mec, tu bouffes quand même des dinosaures, tu te bouffes pas, en fait. Enfin, tu bouffes pas tes potes, donc... Qui dit que je vais pas te bouffer? T'es quoi, là? Regarde ma hache. Yeah. Mais j'adore l'animal... Oh, putain! Oh, tu m'as tapé. Comment je me soigne? Il faut des plantes médicinales, mais je vais te dire comment on en trouve dans les caves. Bon, tu peux m'éclairer? Ah si, c'est bon. Bah, ça revient tout seul, la vie. Oui, mais ouais, mais je veux dire, quand t'es mort, je peux te heal avec ça. Bon, tu peux m'éclairer? Je vais t'expliquer les principes. Ok. Alors, c'est un peu dur, mais c'est super simple. Par exemple, éclaire-moi, s'il te plaît. Par exemple, voilà, je tape un arbre, une bûche, je la jette. Ah, voilà, c'est une bûche. Je tape deuxième fois. Hop. Une boîte. Easy money. Par contre, ne me demandez pas comment il fait pour faire une boîte avec deux grosses bûches comme ça. Bon. Mais carrément. Bref. Alors. Surtout que tu fais de la paille, les potes. En fait, c'est multitâche. C'est, tu peux conserver les objets. Donc, par exemple, tu mets de la tempête de la bouffe et puis tu t'entraînes. C'est un sac, vu que tu peux entraîner quand t'appuies sur poule, en fait, t'as une corde et puis tu l'entraînes. Ah, terrible. Et ça fait table de craft. Et par exemple, là, j'ai mis 2 de wood, donc pour faire pour faire une boîte. Et en fait, je clique sur le bouton torche. Viens pas la boîte avec moi, mais tant pis. Et là, hop, comme par magie, une torche. Par contre, le seul problème avec ça, c'est que par exemple, vous avez 10 de wood. Et vous avez 10 de stone, vous pouvez faire un arc, mais par contre, ça va vous enlever toutes les ressources en fait. Donc vous allez plus avoir 10 de wood et 10 de stone, alors que un arc ça se fait en. Je sais pas, mais je dis un truc au hasard, par exemple, 4 wood et 2 de stone. Bon, ça va tout faire, mais en fait, l'arc sera pas plus puissant, il sera comme. Enfin, il sera. Attends, moi aussi, je sais plus parler. Est-ce qu'il sera possible de faire des maisons, de créer sa maison et tout dans le jeu? Bah déjà on peut le faire avec un tipi. Ouais. Et je veux dire c'est préfabriqué. Mais vu qu'on aura beaucoup de customisation dans le jeu, je pense qu'on pourra custom nos maisons. Il y a pas encore de village ou quoi là? Non. C'est pas encore implanté. Okay. Donc bon, alors. C'est maintenant, sûr, il y aura des trucs pour créer leur sac à base. Dinosaure. Et lui, j'ai reconnu son cri. Lui c'est un méchant lui. Ah oui, et je vais aussi vous expliquer interface. Donc pour ceux qui ont joué à DayZ, l'œil, c'est la vision. C'est la vision des dinosaures. Hein. C'est pas les zombies. C'est des joueurs. C'est comme les zombies, ouais, ça. Voilà. Et normalement, si vous avez faim, vous avez un petit steak qui devient gris normalement. Ah bah j'ai la dalle alors. Non, qui est gris clair et plus il devient foncé, plus t'as la dalle. En bas, c'est les plantes médicinales. Donc maximum t'en as 2. Tu peux en avoir 2 mais là t'en as 0. Et en dessous Moi j'ai rien en dessous perso. Non je crois que je me suis trompé, en dessous y'a plus rien en fait. Ouais. Il est trop moche mon perso. Oh non, franchement. Non, je trouve qu'il est quand même assez beau quoi. Enfin il est bien réalisé, les dinosaures. C'est super bien fait. Ouais par contre il est vachement bien fait, mais je veux dire il a une tête bizarre en fait. Mais ouais. Il est vachement bien fait, les détails et tout. Même ça. Tu vois à ce moment là j'ai filmé la bite du mec. Mais pour l'instant, les arbres, tout ça, quand vous vous rapprochez, franchement, faut pas se le cacher, c'est moche hein, quand vous vous rapprochez. L'eau est super bien faite aussi, mais je veux dire, voilà quoi. Après, voilà, c'est qu'une bêta pour l'instant, c'est ça? Ah, même pas, une pré-alpha, c'est même pré-alpha. Pas. Pré-alpha, ah ouais, d'accord, ouais, vraiment, faut pas pas trop juger le jeu. Quoi. Ah, il vaut quand même 23 balles pour une pré-alpha, alors ça fait mal. Ouh. Ah oui, mais ça fait quand même. Ça fait quand même. Bon, on fait quoi combien... Bah là, en fait, tu vas taper des arbres, d'accord? Là, je mets du bois déjà. C'est au bout de 5 coups, normalement, tu ramasses un truc.
Ouais, et je jette tout mon bois. Bah dans mon truc si tu veux. Ah, en fait, quand je le pose sur ton panier, c'est. J'ai pas besoin. C'est coopératif aussi. Bon après Mais comme mon dans tous les bois. jeux, hein. Ah, je Vaut peux mieux pas. si tu peux. En fait tu dois le lâcher avec. Mais c'est enfin, vu que c'est une première fois, les serveurs lag beaucoup 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 en fait. Du coup, faut que je lâche comment, en fait? Là, ah ouais quand même, on a quand même 111 de ping et toi 119 hein. Non, ça arrive? Bah Ah, ouais. mais c'est peut-être parce que je fume aussi en même temps, du coup, ça peut-être. Bah déjà là on va. Je sais pas comment je lâche, en fait, hein. Beaucoup dans ce jeu. Tu lâches, on fera pas. Attends, je vais un peu explorer les horizons. Vas-y, attends, comment on lâche aussi? Ah, c'est la journée. Là, lâche, en fait, tu fais la touche pour frapper. C'est juste que là, vu qu'il y a des lags, bah, c'est en décalage. Ah, d'accord. Je vais transporter la boîte et on va voir s'il y a, si y a la pierre pour se crafter des armes, en fait. Ah, il y a de la pierre là-bas. Je t'éclaire. Non, mais là, c'est bon, c'est la journée. Putain, sale boîte de merde, là. Pardon. Non, mais par contre, les boîtes, c'est chiant. Allez. Allez, ma grande. Il y a de la pierre là. Ah ouais. Bon, tu sais quoi, je vais le transporter. Je vais pas le transporter, flemme, hein, je vais transporter le truc. J'ai de la pierre. On va se crafter un. Mec. Quoi? Tu m'as tapé. Je le mets où le bois? Le... Dans la boîte là-bas, elle est tout au bout. Où ça? Tout au bout là-bas. Oh non, Je ne veux pas la déplacer. elle est trop lourde. Alors, je propose déjà de faire une lance tous les deux. Ouais. Ok? Pour qu'on aille pêcher. Ah, moi je vois la boîte qui bug, je la vois rétrécir et se Ah, rajeunir. voilà. Donc déjà, je fais la spire. Comment déjà? Ah, ouais, voilà. Toi, prends du bois. Toi, prends du bois, moi, je prends de la pierre, ok? Et voilà. Une arme. Et la lance, c'est le one shot. Et y a plus la boîte. On nous a tiré la boîte. Mais Y'a des non. voleurs. En pile avec ce bout de bois là. 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 Oh putain. Oh mec. Oui. Là, si tu as dans ma lance, tu te tues direct. Hein. Y a pas de. Ouais, je te touche une fois, t'es blessé. Là, non, là, c'est one shot. Hein. Bah, elle me touche pas. Ouais, bah. Je ramasse de la pierre et puis ensuite tu vas te faire une spire. Y'a un joueur, je me fais attaquer. Ah. J'arrive! J'arrive avec ma lance. T'es qui? Il T'es arrive qui? vers toi. Connard, t'es qui? Vas-y, viens, 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 viens! Porte tes couilles! En plus, c'est toi qui m'as tué tout à l'heure! Vas-y! Vas-y! Eh, moi, il voulait plus sprinter. Attends, Usain Bolt, t'as rien compris à ta life. Non, c'est bon là. Il semble. Bah alors, on porte plus ses couilles là qu'on les paie avec son pote! Un pédale. Non mais mec, reviens! Va le poursuivre! Moi, je le poursuis, mais jusqu'à la mort. Si reviens par mec Alors pour crafter, tapez sur E sur la boîte, d'accord? Ok. Et dès que tu vois le truc spire, il revient. Il croit qu'on le voit pas, il croit qu'on le voit pas, je vais faire genre que je le vois pas, d'accord? Ouais, carrément, mais il est discret comme il y a à part. Ouais. Oh mec, je vais derrière la pierre, je vais le défoncer. Ah ouais, là-bas, je le vois. Coucou! Il me tape! Oh, il m'a tué! J'arrive. Il m'a tué! Un bâtard! Il va prendre ta lance. Non, il peut pas. En fait, maintenant, il faut que je la recrafte. Non, non, va derrière lui et bute le mec. Ils sont deux. Ah non, je te voyais bugger en fait. Il m'a tué. C'est pas grave, c'est pas Je grave. voyais bugger en fait. Je tapais sur ton corps en fait qui était debout. Fais pas stay alive. C'est quoi? C'est en fait rester en vie, mais fais-le pas. Bon, tant pis, bah c'est pas grave, mais tu. Bon, voilà, premier fail, hein. Ouais, d'accord. Bon, en Par plus, contre, c'était bien parti là. Enfin, en fait, j'aurais dû me créer un arc, hein. Direct. ouais. Et vas-y, on va où là? Alors, on fait la même technique, hein. Toi, tu regardes la mer, tu vas à gauche, je vais à droite. Ok? Vas-y, si tu veux. Oh, cette technique-là est universelle. Ah, elle est là! Elle est là! Putain, il est là, ce gros connard! Bon, bah, je ferai le tour en Tiens! plus. Mais je l'ai tué! Je l'ai tué! Alors, gros bouffon, va!
Il peut prendre des trucs sur toi? Non, je peux pas, moi. Bon, déjà, je suis au même truc. Moi, je suis à part près de. Mais moi, je sais pas où je suis en fait. Ah bah, cours à gauche, de toute façon, c'est pas grave, on va se retrouver. Mais pour l'instant, lui, il est tout petit. On a pris maximum 10 minutes à se retrouver. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pas comme DayZ ou Rust où tu mets. DayZ, tu mets 38 heures. Tu commences à midi pour te retrouver minuit quoi. Ah, tu commences à midi, bah tu te retrouves à 18h la semaine d'après. Non, vraiment, c'est comme dans l'infestation, c'est. faut pas se perdre, sinon tu te retrouves pas. Bah, en fait, dans les jeux comme ça, il faut tout le temps. Si par exemple dans DayZ c'est une île, bah tu fais comme ça. Rust, il faut faire ça, mais sur la route en fait. Ouais. Tu trouves la route et tu fais ça. Ouais, bah. J'ai même pas encore fait de vidéo sur Rust. Faut que j'en fasse une. Peut-être. Pour moi, sur Infestation, t'as aucun lieu de repère quoi. Infestation, bah t'as les cartes en fait. La ville, hein, c'est tout. T'as les villes et tout, la carte. Oh, y'a un dinosaure. Bah, mec, il est comment? Long avec des pattes. Oh, bah bravo, hein. Merci, Mister Infestation. Il a une grande queue, comme moi. Alors voilà, donc mettez dans les commentaires, Mr. Fusion est un gros pervers. Et puis mettez un. Voilà quoi. Hein, parce que. Non, mais là c'est plus possible là c'est plus possible. Non, mais sa tête elle est comment là? Sa tête elle est. Je suis parti en fait. Le mec. Ah, il va sort. En fait, ce où il y a une bosse sur la tête qui ressemble à des gros cons, et ben c'est bon, tu peux. Tu dégages, par contre, ce qui ressemble à des dindons, t'as pas. Oui, mais si je dois faire tout le tour de l'île, je vais galérer. Eh ben, puisque ça, j'y vais en moonwalk. Attends, mais j'ai déjà créé un arc, au moins je peux. Au moins, si jamais il y a un mec, je le défonce de la distance. Moi, en fait, c'est moi qui me fais niquer mes armes depuis le début. Oui. Donc moi j'ai pas encore une YouTube et je crois que j'en vais bientôt en créer une. Ouais, y a pas de problème. Bah après tu rentreras dans ma team de YouTubeurs, hein, y a pas de problème. T'inquiète, tu es le bienvenu. La Grimf, normalement en ce moment on est. En fait, tu vois un peu trop aigu. Non, mais t'inquiète, on s'en fout de ça, y a pas de problème. Putain, mais l'arc là, il. Ah mais oh là là, c'est quoi ces trucs là? Ce qui est bien, c'est que l'arc, et ben il y a déjà des flèches dessus. Ah ouais, et tu vises comment? T'as un viseur ou non, par contre c'est quand on virait, c'est un tir au jugé en fait. Ah, j'aime pas ça. Il y a des villages avec des non, tentes. C'est bien, je me fais tuer. Bah, n'y va pas. Ouais, c'est où 3? Non mec, n'y va pas. Parce que justement il dit de l'épaulasse, donc en fait l'épaulasse c'est une corde, et puis t'es en mêlée, et puis pendant ce temps ils vont buter hein. Moi j'ai un arc, ok. Donc si tu vois, c'est moi. Si tu vois que j'ai un arc, c'est moi. Bah moi, je fais la plage, hein, mais ouais. Ils me poursuivent, je crois. Bah cours quand même. Ah oui, et en fait en bas quand par exemple vous avez l'arc ou les bolas, bah les munitions s'écrit en dessous de. Il y a un dinosaure et il nous faut aussi. Oh, je me fais. Il y a une mec avec une lance qui est derrière moi. Oh, il m'a attaché. Ah bah t'es mort. Je me suis fait violer. Désolé pour toi. Oh putain! Oh, viol. Non mais moi je déteste les gens qui. Ah, je me suis libéré. Un Galliminus. Je me suis libéré, comment je fais? Bah cours maintenant. Mais non, j'étais encore attaché au sol en fait, mais il m'étonnait plus en fait. Il y avait juste les jambes qui étaient attachées. Je suis en train de lutter en fait. Bah bouge pas en fait, quand t'es là-bas en haut, il faut pas que tu bouges, et puis ça va te délivrer. Quand j'ai quoi? Quand tu vois quand t'es en corde, t'as ouais. Ta petite barre qui se remplit, bah faut pas bouger sinon la barre elle va s'enlever, elle va recommencer. Et quelle barre? Je la vois pas moi. Bah là, non mais quand t'es attaché, je t'explique, quand t'es attaché t'as une barre en haut qui s'active. Mais c'est quoi ces enfoirés? Je suis en train de lutter, je suis en train de le faire chier. Oh merde, je pars du mauvais côté. Oh ils vont me foutre en cage. Il y a déjà deux prisonniers. Ok mec, maintenant les mecs c'est mission, sauver Mr. Fusion. Ouais. D'où le titre de la vidéo, ça va être ça. Il me fout en cage. Il est encore là, lui. Putain, c'est le même mec. Et non, en fait,
Il est tous, ils sont que deux, mais on est quatre, on est trois en tôle. Bon bah je me suis fait tuer par le même mec, hein. C'est que ça hache. Putain, je lui ai foutu une flèche. Je peux pas me noyer. Ah oui, et pour dompter le dinosaure, faut l'expertise en fait. Pardon, vous avez 50 d'expertise, vous pourrez chevaucher un Gallimimus. C'est le petit dinosaure inoffensif en fait. Sauvez-moi. Ah bon, je me suis fait tuer sur la route donc. Je peux rien faire. C'est quoi pour une fois, je l'ai à gauche. En fait, le mec il bouge plus du coup, bah je peux plus bouger non plus. Et ton mis en cage. Non non plus. Ils arrivent pas à mettre en cage en fait. En fait, je suis en train de ramper au sol, du coup je les fais chier. Fais gaffe de pas. Je sens qu'ils vont te buter un moment. Je refais ça. Qui bouge. Je préfère ça que de finir en tôle. Parce qu'ils sont que deux, mais ils ont même pas d'armes. Ils ont juste une hache. Hein. Oh bah, ils ont les bolasses aussi. C'est quoi? C'est les fils qui te jettent pour t'immobiliser. Ouais, c'est ça. Les bolasses. Bolasses. J'adore ce mot. Et comment tu fais pour te suicider en fait? Je peux pas. Hein? Et comment je vais faire s'ils me foutent en tôle? Bah tu te déco. Bon, c'est pas très fair play, mais tu te déco quoi. Bah du coup c'est cool que la fonction Steam genre rejoindre. Et ben ça marche, tu vois. Par exemple, si on a la marque de serveur, ben on quitte et puis moi je vais dans un serveur où il y a zéro personne et. Enfin pas zéro personne mais je veux dire voilà quoi. Ah oui. Oh putain. Ah 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 il y a un. Oh, fallait pas que je bouge, merde. Je viens avec une torche. J'arrive l'ami. Je suis là pour te sauver. Oh ils sont en train de m'écraser avec un coffre. Ah non ils m'ont keblo dans le coffre. Ah non ils ont pas réussi. Tapette. Ah oui, ce qui est très dommage dans ce jeu, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de friendly parce qu'en fait, il y a pas, les micros sont pas encore activés, en fait. Bah, tu fais friendly. Ouais, mais bon, souvent, c'est... t'as pas le temps d'écrire qui t'a déjà buté, quoi. Oh, bah, j'écris à la rage parce que c'est en QWERTY. Friendly, please. Bah, qu'est-ce qu'on peut parler pour l'instant? Bon, après là, ça doit te faire un peu chier le jeu, non? Ah, bah là, ouais, ça me pète un peu les couilles. Ah, ils m'ont foutu en cage. Ah, bah, ils m'ont construit la cage autour de moi en fait. Tu fais comment? Bah, tu. Ou sinon, on va dans un autre serveur. Hein. On va dans un autre serveur? Attends, je choisis le serveur. Bah, voilà, bah, on vous a montré ma prise d'otage. On revient dans une bonne prochaine vidéo. Ah, t'as là. Tchuss.